Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 octobre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes bien commencé la semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 octobre 2022? Bon, vous aurez cette vidéo un petit peu plus tôt aujourd'hui. Parce que ben après je vais faire le live et puis tirer. Alors, on va voir si on n'a pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste le bon nombre. Parfait. Faire le tirage au sort pour les deux personnes qui gagneront une guidance personnalisée. Mercredi est associé à Mercure. Et Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il y a quelque chose à écrire, hein. Il y a quelque chose à... Où il y a un message qui arrive vers nous, où nous communiquons plus avec les autres, ou en tout cas, il y a cette idée de communiquer, d'être dans la communication, qu'elle soit en réception ou si c'est nous qui donnons une communication. Et le 5, ben, le 5 symbolise tout ce qui est appétit, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Bon, bah alors ça sera une communication tout en douceur, tout en rondeur. C'est une communication dans laquelle on va se sentir bien. Ça peut être avec un groupe, une famille ou ça peut être en amoureux aussi, hein. Pour moi, par exemple, demain, bah, il y a les ateliers. Donc, effectivement, je serai en pleine communication. C'est très juste. On va regarder avec les énergies du Béline. Alors, qu'est-ce que nous donnent les énergies du Béline pour ce mercredi 5 octobre 2022. Alors, elle nous parle d'avancer, elle nous parle de bouger, elle nous parle de mouvement, hein, d'aller vers, ou que les situations arrivent vers nous. Il y a quelque chose d'assez fort là pour ce mercredi 5 en termes de mouvement et de communication, hein. Ah ouais. Et ce mouvement amène une réussite. Donc, je ne sais pas quel pas vous avez fait, vers quoi vous vous êtes ouvert. Mais il y a comme l'idée de prendre la route, d'aller vers quelque chose, ce serait une réussite. Ou alors, vous vous êtes ouvert de nouvelles opportunités et là aussi, c'est une réussite. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le temps de bouger demain, hein, afin d'accéder à cette réussite. De toute façon, on ne peut pas réussir quelque chose si on n'engage pas, si on n'avance pas, si on ne met pas une action, hein. Ouais. Il y a comme l'idée de sortir là d'une situation qui était enfermante. Alors, ça peut être pour des personnes qui vivaient, qui n'avaient pas leur appartement. Ils ont fait des recherches pour un appartement, ça marche, ils prennent enfin leur propre appartement. Du coup, ça les libère d'une situation où ils vivaient peut-être avec quelqu'un avec qui ça n'allait plus. Vous voyez, ça c'est un exemple, hein. Ça peut être aussi... mon travail est hyper enfermant, du coup je passe des entretiens ou je vais postuler à des postes et ça marche. Et du coup je pars, je prends la route et je sors de ce qui était enfermant. Ça peut être aussi dans des relations de couple, ça peut être dans des relations familiales, peu importe la situation, il y a quelque chose qui vous empêchait de faire sortir le plus beau de vos potentiels. Hein, et bien maintenant c'est fini parce que on vous dit que non seulement vous enfermez, vous sortez d'un enfermement, mais en plus vous allez vers votre bonheur. Nous allons vers notre bonheur. Hein. Magnifique, hein, ces énergies pour demain. Avec en plus beaucoup de sagesse, sans précipitation, tranquillement, hein, avec la connaissance de ce qu'on est en train de faire. Hein, et puis la connaissance, on sent que quand on va mettre cette action, on sent que ça va aboutir. Il y a comme l'idée de savoir avec cette sagesse, bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Je vous avais dit, on reçoit des nouvelles. Il y a une histoire de communication dedans. Donc, ça peut être, demain, on vous appelle pour aller passer un entretien. Vous passez cet entretien, vous réussissez haut la main et nickel. Ça peut être, on vous appelle pour vous donner une réponse positive à un entretien que vous avez déjà passé. Ça peut être, on vous appelle pour vous donner une réponse positive si vous avez mis une action dans une situation où justement vous étiez enfermé. Donc, changement d'appartement, vendre un appartement, vendre une maison, acheter une maison,
J'en sais rien. Quel genre d'action pourriez être enfermée? C'est peut-être une sorte de couple. Vous êtes en pleine séparation, mais vous n'avez pas encore un nouvel appartement. Il y a un nouvel appartement qui arrive. En tout cas, on vous appelle pour vous dire OK. Et si vous n'avez pas encore mis l'action, comme je vous le dis, pour sortir de cette situation, demain, c'est le moment. Alors, on vous appellera peut-être pas sur le champ pour passer l'entretien tout de suite, ou pas sur le champ pour aller visiter la maison tout de suite, ou pas sur le champ pour vous dire que l'appartement vous est octroyé, mais déjà, vous mettez une première pierre à l'édifice, hein. Eh ouais, c'est renouveau, c'est la renaissance, c'est le nouveau projet. Eh oui, ça s'emboîte, forcément. Magnifique énergie pour ce mercredi 5 octobre 2022. Excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo le temps de gronder mon petit chien qui commençait à aboyer, je ne sais pas pourquoi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 octobre 2022. Merci de me donner les situations qui arrivent vers nous. Hop là, alors, hop. J'ai des cartes qui sont tombées. J'ai l'air d'avoir beaucoup de cartes. Alors peut-être ça veut beaucoup parler, mais bon, déjà les énergies, hein, elles sont pas mal. On pourrait presque arrêter ici le tirage, hein, avec cette réussite et le bonheur, hein, et la communication, et cette lettre qui arrive là, cette communication qui arrive. Alors lettre, mail, WhatsApp, je sais pas, hein, par quel biais. Mais ça amène la naissance, la naissance, la renaissance, la naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose, après une période d'enfermement, hein. Ici, ça nous parle d'équilibre, ou ça nous parle d'un commerce. Ah, ça nous parle d'un commerce pour certains. Ou alors, il y en a d'autres, ils ont travaillé à leur équilibre. Waouh, et on dit que ça va durer dans le temps. Si vous êtes en train d'ouvrir un commerce, c'est vraiment quelque chose qui va être sécure, hein, qui va bien fonctionner. Si vous avez travaillé sur votre équilibre, ça aussi, on vous dit, ça va vraiment, vraiment perdurer dans le temps, hein, cet équilibre. Là, on parle de ce qui nous grignote par rapport aux administrations, par rapport à la ville, par rapport à la foule, par rapport au mouvement, ce qui nous fait nous poser beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on veut repartir sur un nouveau projet. Il y a des personnes qui veulent sortir d'une situation où il y a trop de brouhaha, où il y a trop de mouvement, où c'est trop déstabilisant, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, mais là, vous êtes en train d'y aller. Donc, si vous êtes dans une situation qui vous pique un peu, sur des situations qui sont compliquées, je ne sais pas, trop de bruit, trop de monde, trop... Il y a une histoire de trop, hein? Avec la ville, là, oui. Et on vous dit, ça vous a questionné longtemps, mais il y a un nouveau projet qui arrive. Vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet, hein? Alors, si c'est vous, ben, continuez. Vous êtes sur le bon chemin, là, hein? On nous le dit, hein? C'est le bon moyen pour sortir de cette situation, hein? Hop là. Alors, on ne va pas les prendre, celles qui sont tombées, parce que je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention. Quels sont les messages pour ce mercredi 5 octobre 2022. Merci de nous donner les messages pour ce mercredi 5 octobre 2022. Chez moi, ça sent le jasmin, ça sent très bon. J'ai mis des huiles essentielles dans une petite fiole. Oh, pardon. Et du coup, toute la maison s'est parfumée. C'est un vrai bonheur. Ça parle de travail. Je ne sais pas encore ce que ça nous dit, mais ça parle de travail ici. Donc, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, moi, sur être peut-être moins maladroite, parce que je viens de renverser toutes mes cartes, excusez-moi, je les range toutes, hein. Voilà, bon, là, il y en a trop, ben non, alors ça ne va pas jouer. Ben, on recommence. Alors, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 octobre 2022? Il n'est pas très tard, hein, il est 18h30 comme ça. À peu près, et vous voyez bien que ça commence à faire gentiment sombre, tout doucement. Ah oui, n'oubliez pas qu'à la fin du mois, on change d'heure, hein. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 5 octobre 2022. S'il vous plaît, c'est bien, on aura une heure de journée en plus, c'est bien, parce que là, va commencer à faire sombre assez vite. Bon, on se prépare gentiment, hein, à être un peu plus enfermé dans les jours et mois à venir par rapport à cet hiver qui arrive. Ici, ça nous demande de prendre la route, de prendre de la hauteur,
sur les situations, par rapport à quelque chose qui se met en place, c'est une solution trouvée, c'est un nouveau contrat qui arrive et qui va nous permettre d'évoluer, hein. C'est vraiment quelque chose qui vibre avec nous, c'est vraiment quelque chose que l'on se souhaite peut-être depuis longtemps. Là, avec l'héritage, c'est vraiment aller vers ce pour lequel on est outillé. L'héritage, c'est ce que l'on porte. L'héritage, c'est nos ancêtres. L'héritage, c'est ce dont on a hérité. C'est nos dons, c'est nos savoir-faire. Et là, par rapport à nos dons, à nos savoir-faire, il y a comme l'idée de partir à la rencontre de nos dons, de notre savoir-faire. En tout cas, ça nous fait passer un contrat avec nous-mêmes ou peut-être c'est professionnel, hein. Et peut-être que pour certains, vous allez travailler dans vos dons. En tout cas, ça amène une évolution, hein. Et belle, 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 belle journée demain. Belle journée, hein. Moi, avec le 5 en même temps. Le 5, c'est un très, très bon chiffre. C'est un excellent chiffre. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 5 octobre 2022. Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 5 octobre 2022. Bon. Pas très inspiré, les sorcières? La rêverie. Il est temps de prendre du temps pour soi. Il est temps de fermer gentiment les yeux et de rêver. De rêver à ce que nous souhaitons, de rêver à d'autres contrées, à des choses que nous n'avons pas encore vécues jusque maintenant. Il est temps peut-être de se projeter dans une situation, hein. Il y a comme l'idée là de se laisser porter par son imagination afin de créer, hein. Et oui, l'automne, on laisse derrière nous afin de pouvoir se replier un petit peu cet hiver et de pouvoir être créateur, hein. Parce que quand on a cette période d'isolement qui est l'hiver, c'est justement le moment dont on se sert pour pouvoir créer, imaginer, construire, hein. Et puis gentiment, au printemps, eh ben, on les met en place. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 5 octobre 2022? Alors, ça parle d'un joyau dans une larme. Renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça fait un petit cling en même temps. Oui, une reconnexion à soi et surtout pour ceux qui ont passé des moments difficiles et qui sont en train de se guérir de ces moments parce que on n'a pas un éveil spirituel qui arrive comme ça, hein. L'éveil spirituel, il arrive à cause d'une maladie, il arrive à cause d'un gros accident, d'un gros choc émotionnel. Il y a un déclencheur, hein, pour cet éveil. Ben, c'est comme si là, quand on parle d'un joyau dans une larme, toutes les larmes que vous avez versées de chagrin, de tristesse, de mal-être, hein, tout ça va être transformé en cadeau de la vie. Je ne veux pas vous dire que plus vous avez souffert, plus vous allez être heureux, mais certainement que si. C'est comme ça qu'on me le dit. Plus la souffrance a été difficile, plus la transformation a été grande, hein, parce que souvent, quand on a une transformation comme ça intérieure, c'est là où nos émotions, où nos colères, nos chagrins, tout ça ressort et ça se démultiplie, hein. Et plus c'est fort et plus il y a une transformation à l'intérieur de soi. Et plus on va sortir tous ces chagrins, toutes ces colères, toutes ces incompréhensions, et plus à l'intérieur, c'est comme si on se purifiait, on se libérait de toutes ces émotions. Et du coup, bah, on a beaucoup plus d'espace pour accueillir. Beaucoup, hein. Et après, on accueille le meilleur. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop. Eh ben, c'est magnifique. Non, j'en ai trop. Oh, ben, c'est pas grave, j'en ai. Oh, mais c'est dommage parce que celles-là, elles étaient toutes belles. On en reste quatre. J'arrivais pas à m'en séparer d'une seule. Bon, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, les quatre vont très bien ensemble. Ça nous raconte une histoire. Et moi, quand ça me raconte une histoire, j'adore. Allez, c'est parti.
Ici, ça nous parle d'une période d'isolement, peut-être une période ou de solitude, ou une période où vous n'êtes plus en dialogue avec une personne. Et on vous dit que tout arrive dans les 3 mois qui vont arriver. Hein? On vous dit qu'il y a quand même de la superficialité encore dans cette situation. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente, parce qu'il faut le temps que la personne se déleste de ses addictions, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne vaut plus le coup. Et peut-être qu'on parlait tout à l'heure d'un éveil, il faut attendre que cette personne s'éveille. Hein. Vous ne pourrez pas remettre les choses en perspective avec une personne avec qui vous ne dialoguez plus le temps qu'elle n'est pas éveillée. D'accord? Mais après, vous pouvez partir faire votre chemin toute seule, hein, ou tout seul. Hein. Il n'y a rien qui nous oblige à rester à attendre une personne. Hein. Ne pensez pas que vous n'avez qu'une seule personne qui vous est destinée. Absolument pas. Absolument pas. Si ce n'est pas cette personne parce qu'elle ne convient pas, parce que ça ne matche pas, parce que vous êtes plus... vous vibrez plus, vous êtes plus... Ben, vous avez une autre personne qui viendra. Ici, on nous dit que cette situation a pris du temps. Et pourtant, elle va bien se terminer. On parle de la vie en rose. Il y aura une naissance, il y aura un projet, il y aura une vie commune, il y aura une grossesse. Même si des fois, l'ancrage d'une situation est longue, quand elle se décante, généralement, elle avance hein, assez vite après. Hein. Ici, on parle d'un nouveau départ avec un amour véritable. Et on vous dit que pour vous, cet amour véritable, ça va être une vraie épreuve à passer. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez été déçu dans le passé d'une personne et du coup vous avez peur de vous réinvestir. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une invitation là qui arrive. Hein. Il y a un divertissement, il y a une invitation, on vous invite. Hein. Cette personne, elle vient vous inviter. Même si c'est difficile pour vous de dire oui, je vous conseille de dire oui. Hein. Testez toujours. Ici, on parle d'une personne avec qui il y a plus de dialogue et on vous dit que ça a duré longtemps, mais qu'il y a un nouveau départ. Donc, à mon avis, cette personne va venir communiquer avec vous. Après, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Il n'y a aucune obligation. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les 2-3 mois à venir. Pourquoi? Parce que cette histoire va bien se terminer. Oui, on vous présente un amour véritable. Oui, il y a une rencontre là avec une nouvelle personne. Et il y aura une nouvelle personne qui arrive là. Peut-être pour vous, ils disent 3 mois. Excusez-moi. Moi, je dis que dans cette situation-là, on ne veut pas que je le dise apparemment. Parce que, excusez-moi, j'ai dû mettre en pause. À chaque fois que j'essayais de vous dire, quand je voyais à peu près la situation, ma gorge serrait. Donc, je ne vais pas vous le dire en fait. Ici, on nous parle... de sorties superficielles, d'une personne superficielle, de choses qui ne s'ancraient pas. Et on vous dit que ça a été une épreuve pour vous et qu'il est temps de rebondir, de démarrer, de partir de cette situation avec l'oiseau. Si on lit ce que dit la carte, elle dit naissance, projet, vie commune, grossesse. Associé à ces deux-là, ça veut dire sortez-vous de cette situation. Allez chercher une autre situation qui vous conviendra beaucoup mieux. S'il y a beaucoup de superficialité, si la personne ne vous respecte pas, si la personne, c'est à chaque fois que vous la voyez, c'est une épreuve, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Pour vous protéger, vous, parce que personne ne le fera à votre place. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 5 octobre 2022. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de partir d'une situation. De toute façon, quand vous serez prêt ou prête, vous le ferez. Laissez des fois la situation se mener à son terme. Hein? Bon. C'est vrai. Au moins, vous n'avez pas l'impression d'en souffrir. Peut-être un peu. Mais... Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Magnifique. Ça, c'est ma préférée. Étoile, j'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Signé les archanges. Et profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras ou les mains. Tendez les mains, il y a des cadeaux qui arrivent, mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mercredi 5 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao!
Bye bye.